tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo partenariat donc avec la société Queen Acraft. Donc ils m'ont contacté, j'ai été faire un petit tour sur leur site et le partenariat m'a intéressé parce qu'ils ont vraiment de très très beaux produits. Donc j'ai pas pris de dye cette fois-ci, je me suis dit tiens je vais essayer pour une fois de tester un petit peu autre chose. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors j'ai reçu la commande en près environ 15 jours et vous voyez donc le produit est bien emballé. Donc c'est un emballage à bulles, ça évite que les produits sont abîmés, puis en même temps on sent pas trop au niveau de l'enveloppe qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai pris. Alors bah moi j'ai déjà ouvert hein, forcément, hein, j'ai pas pu attendre que je fais la vidéo. Donc je suis quand même assez satisfaite, même très satisfaite des produits qu'ils m'ont envoyé. Alors je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors, j'ai commandé du papier, j'ai commandé des petites étiquettes et encore des petites étiquettes. Donc ça, c'est pour un projet de junk journal. Alors, j'ai commandé, bien sûr, vous vous en doutez, du papier pour faire un petit album au niveau de l'automne parce que j'adore l'automne. Bon, voilà. Ça, vous pouvez pas se faire autrement de commander du papier dans cette teinte là, donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, si je trouve l'ouverture. Alors moi j'ai déjà commencé à regarder hein. Et franchement je suis oh, il est vraiment trop beau le papier. Je suis une quand j'ai vu sur le site internet, je me suis dit allez c'est pas grave, je prends du papier, je vais changer un petit peu des dailles ou autre chose que je prends. Je me suis dit bah tiens je vais essayer le papier. Alors, c'est le papier, alors, je sais pas si, alors, donc, Autumn Garden. Alors, c'est du 15 sur 15. Et c'est Pattern à Paper. Et le titre, c'est Autumn Garden. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Je vais vous montrer les décors. Oh, il y a des trop beaux papiers. Je suis vraiment tombée amoureuse. Alors, vous avez, alors, c'est pas recto verso, c'est seulement recto. Alors, les petites feuilles. Alors, vous avez deux modèles de chaque. En tout, dans le paquet, vous avez donc 12 dessins. Et vous avez deux feuilles de chaque. Et c'est du papier 160 grammes. Et il n'y a qu'un côté qui est imprimé. Voilà, je vous ai fait un petit peu la traduction en vitesse. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau. Je crois que je vais m'éclater à faire le petit album. Regardez. C'est beau, hein. Franchement, c'est super joli. J'adore. Alors, le papier fait en même temps vintage. Enfin, les dessins. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avec tous des chiffres. Alors, vous pouvez très bien garder la feuille telle qu'elle est et faire donc une page d'album. Où vous prenez tous les petits chiffres comme ça. Et ça vous permet de faire des petites étiquettes. Moi, je vais le coller certainement. Je vais en prendre une pour faire l'album. Regardez. Trop beau. J'adore. Donc, il y a deux pages. Les dessins, elles sont vraiment magnifiques. J'adore. Dès que je vois des feuilles, des teintes marron et orangées, je suis fofolle. Regardez-moi ça. Avec des petites feuilles. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que j'aime bien la nature. Oh, regardez-moi ça. Oh, magnifique. Magnifique. Vous voyez, ça fait vraiment vintage en plus. Hein. Voilà, je vous mettrai en barre d'infos tout les liens directement de la boutique Queen Acraft. Oh, magnifique. Avec des petits glands. Regardez, des petits glands, des petites feuilles. C'est trop beau. Bon, ça c'est un petit peu plus géométrique, mais ça va bien avec le style de l'album. Enfin, le style de papier que je vais pouvoir faire le petit album. Regardez-moi ça. Alors moi je vais me faire un petit peu dans le style on va pas dire un junk journal, mais ça sera un petit peu le style un petit album automnal. Je vais faire des petites coutures avec la machine. Ça sera vraiment trop beau.
Voilà, ça va me prendre un peu de temps, mais je pense que le résultat sera magnifique. Et là, vous voyez, vous avez des petites étiquettes qui reprend un petit peu les papiers. Regardez, je pense que là, il n'y a pas, mais avec la petite chouette. Ah, je crois que c'est une effraie, une chouette effraie, je crois. Non. Ah, quoique. Non, non. Non, non, c'est pas ça. Je me suis trompée. C'est une chouette ou un hibou. Je sais pas faire. J'ai jamais réussi à faire le différentiel par rapport à ça. Et j'ai craqué pour un autre bloc de papier. Alors, celui-ci, il est vraiment aussi très, très beau. Alors, c'est le titre Jingle. Donc, c'est toujours du 15 par 15. Vous avez 24 feuilles. Donc, il y a toujours 24 feuilles. Attendez, là, c'est du... Donc, il y a 12 feuilles. Non, il y a 24 feuilles, pardon, vu qu'il y a 12 dessins sur 2 feuilles. Donc, là, vous avez 24 feuilles. Alors, regardez-moi ça, comment c'est joli. Attendez, je vais prendre une feuille. Regardez-moi ça. Trop, trop beau. Il est vraiment magnifique, ce papier. Allez sur leur site. Moi, je vous le conseille, comme d'habitude. Hein, quand c'est un très, très bon site internet, je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que franchement, ils ont vraiment des très, très belles choses. Je regarde. Oh, c'est beau. Avec des montgolfières. Regardez-moi ça. À ceux-là qui aiment le vintage, franchement, là, vous êtes vraiment servis. Hein, mais vraiment, c'est vraiment... Il y en a tout plein, tout plein, tout plein. Franchement, en plus, vous avez 24 feuilles. Vous avez quand même de quoi faire un petit album. Après, maintenant, si vous voulez faire des photocopies, vous pouvez. Hein, c'est pas gênant. Si, par exemple, vous voulez faire par exemple, un album et vous avez besoin de 3 feuilles. Ou sans quoi vous achetez 2 blocs de papier. C'est encore mieux. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est trop, trop beau. Alors, le petit papier, il est là. Il y a une feuille à l'envers. Alors, je vous remonte les couvertures. Voilà. Donc, ça vous donne un petit aperçu au niveau des blocs de papier. Oh, j'adore. Je suis trop contente que j'ai pris ces blocs-là. Je suis vraiment... Je suis contente. Alors après, vous avez donc ces petites étiquettes. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, c'est des étiquettes standards, Castel. Mais non, ce n'est pas des étiquettes standards. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis vraiment impatiente. J'ai regardé un petit peu. Alors, vous avez donc une étiquette comme ça. Vous allez, en plus, vous voyez, hein, ça va bien avec l'album d'automne. C'est pour ça que je les ai pris. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas joli, franchement. Oh, c'est trop, trop beau. J'adore. Oh là là, c'est trop beau. Oh, je suis vraiment trop, trop contente. Alors, vous avez une étiquette de chaque. Ça, c'est chouette. Oh, c'est chouette d'avoir une étiquette de chaque. C'est beau, hein. Oh, les fleurs, elles sont magnifiques. Oh là 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 là. J'espère qu'il y aura d'autres partenariats avec cette boutique parce que ils font vraiment des très belles choses. Hein. Allez sur leur site, franchement, au niveau vintage, si vous voulez faire des choses vintage, des junk journal ou autres, vous pouvez trouver facilement votre bonheur. Hein. C'est vraiment trop trop beau. Elles sont trop belles, les fleurs. Vous voyez, en plus, il y a des petits tampons, des petites écritures. Vous avez la fleur qui est juste au-dessus. En plus, le format des étiquettes est sympa. On va peut-être le mettre plutôt comme ça, parce que je pense que de l'autre côté, vous allez avoir un torticolis. Hein. Regardez-moi ça, c'est pas joli. Une petite rose.
Et c'est pas fini. Quand vous allez voir les autres, oh, trop belle. Trop, trop belle. J'adore. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Les fleurs. Alors là, vous avez encore à nouveau une petite étiquette. Donc, si vous voulez faire votre étiquette, vous pouvez. Vous voyez, ça, c'est original. Avec des petites fleurs. Voilà. Alors là, il y a du vert. C'est vraiment dans les correspondances au niveau des teintes automnales. Enfin, moi, je trouve. Regardez-moi ça. On ne peut pas faire plus vintage, hein. C'est vraiment... ça correspond vraiment à tout ce que j'aime. En plus, ils ont pris un papier, on dirait un petit peu un papier à structure. Ah, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, je vais prendre celui-là. Je ne sais pas si vous allez voir directement sur la caméra, sur la vidéo. Et en fait, ça fait vraiment vintage, en fait. C'est pas du papier classique, en fait. C'est vraiment trop beau. Ah, je regarde en même temps, c'est normal. J'ai regardé comme ça, mais... Voilà, j'aime bien... Je vais encore les feuilleter, les toucher, les regarder. Tellement que c'est joli. Ah, moi, j'aime bien quand je reçois quelque chose de les reprendre tranquillement, après de les regarder. J'admire la beauté des choses, en fait. La beauté de l'étiquette. Je vais reprendre les feuilles aussi, je vais regarder. Voilà. Les décors, ils sont vraiment trop, trop beaux. Vous voyez, vous avez quand même pas mal d'étiquettes. Ah, je ne sais plus combien vous en avez dedans. Je vais regarder ce que c'est noté sur le... Sur le petit, la petite étiquette de l'emballage. Alors, vous avez... Bah, écoutez, je ne pourrais pas vous traduire. Alors, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc vous voyez, vous avez quand même de quoi faire. Donc vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec. C'est quand même sympa. Alors moi, j'adore ce format d'étiquette. Je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très original. On peut quand même faire des très, très belles choses. Alors ensuite, j'ai pris celle-là. Alors, je vais vous les retirer des sachets parce que j'aime pas trop. Ça a tendance toujours à briller. On voit rien du tout. Alors, je vais retirer la petite... Voilà, on déballe, on fait attention de ne pas trop abîmer, hein, c'est normal. Ça, je vais les garder, je vais les récupérer pour les junk, c'est génial. Alors, donc, vous avez cela. Alors, je ne peux pas faire sans papillons, les fleurs, les papillons, voilà, c'est... Voilà, donc, bah, ça par contre, vous avez une de chaque. Donc, c'est tous les mêmes, vous voyez. Donc, si vous voulez faire des petites étiquettes vintage, c'est pas mal. Alors, vous avez le numéro 3. Alors, vous voyez là en bas, ça se défait. Si vous voulez mettre que le haut, vous mettez que le haut. Vous voulez mettre que le bas, vous pouvez. Ça se détache, il y a des petits pointillés. Voilà. Donc là, vous en avez... Alors, je pense que c'est pas... Il n'y a rien qui est noté. Alors, carte... Alors, c'est pas grave, on va compter, comme ça vous saurez combien il y en a. Alors, une, il y en a quand même pas mal. Hein. Le papier, il est vraiment sympa, j'aime bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. C'est bizarre. C'est bizarre que j'en ai que 24. Il doit en avoir 25, j'ai dû en passer une à mon avis. Que c'est très très fin et ça colle un petit peu. Parce qu'en fait, regardez, je sais pas si vous allez voir, pardon, à la caméra, le bas est embossé en fait, le 3. Vous voyez, même en haut au niveau du papillon. Alors ça, c'est vraiment chouette. Des étiquettes embossées, moi j'en ai jamais trouvé, donc c'est vrai que c'est pas mal. Et j'ai pris en dernier, donc j'ai pris ça. Alors c'est des petites étiquettes, vous allez voir. Je trouve ça trop trop mini. Alors j'ai pris avec une petite couronne. Alors donc il y a quand même pas mal de. Alors je pourrais pas vous traduire non plus. Alors, c'est tous des petits chiffres, comme ça je vais vous montrer. Alors, vous avez sur les jours. Alors, vous avez Sunday, samedi, Wednesday. Voilà. Et vous avez tous des petits chiffres comme ça. Et si vous voulez les mettre dans les junk, c'est génial. Alors, vous avez du chinois. Voilà. Bon, je ne peux pas vous traduire parce que je ne parle pas le chinois. Malheureusement, c'est une langue qui m'intéresserait, mais je ne parle pas chinois. Voilà. Donc, vous avez quelques petites étiquettes comme ça. Voilà. Alors, donc, on a vu les petites étiquettes. Et après, vous avez tous des chiffres comme ça. Vous voyez, pour faire du vintage. En plus, c'est déjà dans le style ancien. Donc, c'est tous des chiffres. Vous voyez, vous avez tous des chiffres. Vous avez à nouveau les petits. Regardez, c'est bien autocollant, c'est génial. Alors ça, franchement, pour faire du junk, ça va être... Je vais vraiment m'éclater. Alors vous voyez, vous avez plein de chiffres. Hein. Je pense qu'il y a tous les chiffres. Le 1, le 7, le 12, le 29, le 23. Voilà, c'est tous des numéros que je vois en fait. Voilà, donc vous avez tout plein de styles d'étiquettes. Vous voyez, vous avez donc des rondes, vous avez des carrés, vous avez comme ça, vous avez des formes comme ça. Vous avez à chaque fois un petit cadre différent. Je vous mettrai donc en barre d'infos toutes les références des produits ainsi que mon code promo qui vous donne droit à une remise de moins 10% hors frais de port. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'étais contente de vous la partager. Franchement, allez faire un tour sur leur boutique. Ils ont vraiment des très très bonnes choses. Si vous aimez le vintage, les dyes, les tampons, enfin tout ce qui se trouve sur le scrap, franchement, vous allez trouver votre bonheur. Et en plus, les prix sont quand même assez raisonnables. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'étais contente de vous retrouver sur cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous!